Franchement, incroyable. Halloween, la nuit des masques de John Carpenter. Alors, ce film, faut savoir que j'ai vu beaucoup de films de 2020, 2021, 2022 avant de voir celui-là. Pourquoi je précise? Parce que j'ai vu pas mal de slashers qui, je pense, s'inspiraient d'Halloween. Ce qui fait que Halloween, en vérité, j'aurais pu détester. J'aurais pu dire, c'est classique, on l'a vu mille fois. Sauf que contrairement à The Descent, que j'avais pas forcément apprécié à cause de ça, Halloween, je le trouve très sympathique parce que tout est bien mené. C'est un film qui me semble classique. Parce que j'en ai vu trop de films comme ça, mais le film est extrêmement bien mené. Je pense que même que c'est un des. Ouais, peut-être qu'il est dans mon top 100 films préférés. Top 125 quand même. Mais franchement, non, le film est très très bon. Je peux que vous le conseiller. Commençons tout de suite, commençons maintenant avec le jeu d'acteur. Jamie Lee Curtis, indémontable, inarrêtable. Bon, non, franchement, c'est incroyable. Après, on a Donald Pleasence qui nous offre aussi une performance plutôt belle. Voilà, franchement, il ne m'a point déçu. Il a joué quand même dans quasiment 200 films, 184 pour être précis. Nancy Case, voilà. Après, on a Charles Cifer, Speedy Solace, bref. On a même Kaylee Richards. Qui, elle n'est pas un peu connue, elle. Je croyais. Non, franchement, wow. Incroyable. On a d'incroyables acteurs, on a d'incroyables actrices. Je pense que le casting est pas mal du tout. Jamie Lee Curtis en tête. Hein. Personnages. Les personnages sont parfois un peu simplet, j'avoue. Parfois c'est un peu classique. Mais le personnage de Jamie Lee Curtis est attachant. On est attaché à tous ces personnages. Le personnage de Michael Myers est bien construit. Je vous conseille, j'essaie d'y penser, de vous la mettre en description de la vidéo. Mais je vous conseillerais ouais, la vidéo de Mère aux mains. Au pire, vous me le mettrez dans les commentaires si j'ai oublié de mettre le lien. Et je vous conseillerais la vidéo de Mère aux mains qui explique les origines de Michael Myers. Voilà, et je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Voilà. Moi, ça, je l'ai trouvé très intéressante. Ça m'a d'ailleurs aidé à mieux comprendre les personnages. Le personnage de Michael Myers. Histoire. Alors, l'histoire, de mon avis, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais qu'est-ce que c'est efficace! L'histoire, on s'en fout qu'elle soit simple là-dedans. Elle est bien menée, elle est waouh. Moi, j'étais pris. Hein. On va en parler, mais scénaristiquement, le dialogue sympa, sans prétention. Ça cherche pas. On voit que le film ne cherchait pas à réinventer. Et pourtant, il a inspiré beaucoup de films. Après, anxiété gardée de scène mystère, très important ça. Le film est sous tension, c'est un film sous tension qui m'a gardé pendant longtemps. Ce qui est bien avec ce film, c'est que tu sais pas quand le jumpscare va arriver. Tu sais pas ça avec ce film. Il y a une grosse scène comme ça où je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans une maison. Il y a même des feintes parfois. En gros, il y a toute une scène, je sais pas, de 10 minutes où la personne est dans la maison tranquille. On a l'impression qu'il se passait quelque chose, il se passe rien, on passe à un autre personnage, il se passe autre chose. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Après, bon, il y a une scène un peu plus classique avec un homme qui, il y a trois portes à côté de lui, il en ouvre une, il trouve pas. Parce qu'en gros, il croit que c'est quelqu'un qui lui fait une blague. À gauche, il trouve pas, et à droite, bah là, c'est un peu moins surprenant. C'est le moins surprenant de tous, mais il est toujours aussi efficace. Je suis facile niveau jumpscare. Mais là, ils sont très efficaces, je peux le dire. Effets spéciaux. Les effets spéciaux sont franchement bons, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de la musique. Il y a le thème principal, je l'ai déjà entendu plein de fois, avant même de voir le film. Je sais pas d'où ça vient, donc c'est le thème. Ah, j'arriverai pas à le faire, je l'ai écouté qu'une fois le film. Mais je sais pas, genre le thème, il est tellement connu. Ah, je saurais pas vous le retrouver. Je saurais pas vous le retrouver. Mais oh, mais cette musique. J'imagine que c'est John Carpenter qui a composé. J'imagine. Oui, John Carpenter. Bah, franchement, bah, cette musique-là. Elle est waouh! Puis il a composé, si je ne me trompe pas, Firestarter et Studio 666, ça je ne savais pas. Non mais franchement, waouh! La bande son est sublimissime, je pense qu'on peut se le dire. Et au niveau de ma note sur 20, qu'est-ce que je pourrais donner sur 20? Un bon 14! Un bon 14 sur 20, franchement, le film et j'ai adoré. J'ai adoré, franchement, faudrait que je me mette un peu plus au film des années 70, 80, 90. Faudrait que je m'y mette un peu plus. Parce que quand on tombe sur des pépites comme From Beyond et Halloween, je peux vous dire que ça fait plaisir. Et ce serait dommage d'en rater quand même. Vous croyez pas que ce serait un peu dommage? Et ben moi, je vais vous dire ciao. Je vais vous dire que c'était Morto Mega. Je vais vous dire que mon petit Halloween, la nuit des masques, c'est incroyable.
Regardez-le. Franchement, il est disponible sur Shadow VOD et sur Univers Ciné en location. Ou en achat, mais je crois, moi je le prends en location de base, mais je sais pas, regardez. Et donc, voilà, moi les films que je vais voir prochainement, alors Halloween de 2018, Halloween Kills, Duel avec Karen Gillan, il y en a un autre encore. Oui, après il y aura le nouveau film de Brad Grant, il y aura. Il y aura des films à gogo. Il y aura The Innocent aussi, je vais essayer de revoir. Voilà. Et la critique de Arthur Malédiction est déjà en train de pas mal marcher. Je crois que j'ai deux ou trois likes dessus. Bah merci parce que ça fait 2 heures, 3 heures que je l'ai publié. La critique de Mastema marche pas mal aussi. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.